Bonjour, mes chers élèves de deuxième année primaire. Vous êtes en direct avec moi. Alors, aujourd'hui, on va voir votre cahier d'activité, l'art aux mots, méthode de français. Alors, cette fois, on va voir la correction de grammaire, l'accord entre le nom et son déterminant. Allons-y, on va découvrir ensemble les activités d'aujourd'hui. Alors, mes chers élèves, prenez votre cahier d'activité, page 31. Page 31. Grammaire, l'accord du nom avec son déterminant. L'accord du nom avec son déterminant. Pour plus d'informations, vous pouvez prendre votre manuel page 50. On dit le déterminant s'accorde avec le nom qu'il détermine. Le déterminant s'accorde avec le nom qu'il détermine. Le mur, les murs. Le déterminant accompagne le nom pour indiquer s'il est au singulier ou au pluriel. Par exemple, la souris, les souris. Parce que la souris se termine par S, normalement. Les souris, on est ici pluriel. Pourquoi? Parce qu'on a un déterminant les. Alors ici, dans cet exercice, complète la liste de noms avec le déterminant qui convient. Alors le, la et l'apostrophe les, ce sont des déterminants. On a ici ami, politesse, camaraderie, sympathie, camarade, copain, aide, sentiment. Il y a des noms au pluriel, il y a des noms au singulier. En ami, on dit les amis. D'accord? Les amis. Politesse, on dit la politesse. Camaraderie, on dit la camaraderie. Sympathie, on dit la sympathie. C'est un nom au singulier. Les amis, la politesse, la camaraderie, la sympathie. Le ou la camarade, soit on dit le camarade ou la camarade, le copain, les copains, alors ici les copains avec S, les copains, l'aide avec L apostrophe, les sentiments, les amis, la politesse, la camaraderie, la sympathie, le camarade, la camarade, les copains, l'aide. L'essentiel. Alors, range les noms dans le tableau. Deuxième activité, range les noms dans le tableau. Un tapis, des concours, un puits, un autobus, un tas, des tournevis, un compas, des bois. Alors, il y a des noms au singulier et des noms au pluriel. Un tapis. Alors, je sélectionne les noms au singulier. Un tapis, un puits. Un autobus, un tas, un compas, un tapis, un puits, un autobus, un tas, un compas. Les noms au pluriel, des concours, des tournevis, des bois, des concours, des tournevis, des bois. Un tapis, c'est un nom singulier. Un puits, un autobus, un compas. Les autres, c'est au pluriel. Voici une liste de déterminants entoure ceux qui indiquent le pluriel unique. Alors, il y a des déterminants au singulier et au pluriel. Alors, je vais tout simplement entourer ceux qui indiquent le pluriel. Pour chaque rangée, il y a cinq rangées. Des, là, une. Alors, j'entoure des, son, non, c'est. J'entoure non et c'est. Un, le, et l'apostrophe. Je ne choisis aucun déterminant, aucun de ces déterminants parce que c'est singulier. Les, mais c'est, je vais choisir tout ça. Parce qu'il indique le pluriel. Ma, mon, ça, non. Alors, les, mais c'est. Non, c'est et des. Des, non,
C'est les mais c'est. Lis les phrases et souligne les noms au singulier entourent leur déterminant. Wassim est mon ami. Tous les jours, nous allons à l'école ensemble. Il m'aide à faire mon travail quand je ne comprends pas les leçons que le maître ou la maîtresse nous donne. Lis les phrases et souligne les noms au singulier entourent leur déterminant. Alors, je vais choisir uniquement les noms au singulier. Par exemple, mon ami. Voici le déterminant mon. L'école. Voici le déterminant à l'apostrophe. Mon travail. Voici le déterminant mon. Le maître. Voici le déterminant le. Alors, mon ami. L'école. Mon travail. Et le maître. Complète les mots avec. Est-ce qu'un soleil est nécessaire? Ça veut dire la marque du pluriel. Normalement, une herbe, non. Les fleurs, oui. Puisque c'est au pluriel. Des légumes, oui. Ces chiens, oui. Je dois mettre ces S et ces chiens aussi. Les jardins aussi. Vos chats aussi. Nos osiers aussi. Alors, les fleurs avec S. Des légumes avec S. Ces chiens avec S. Les jardins avec S. Vos chats avec S, nos outils avec S, etc. Mes fruits avec S. C'est ça ce qu'on appelle l'accord, hein? L'accord du nom avec son déterminant. Le déterminant, c'est-à-dire un petit mot qui accompagne toujours le nom, dans le nom commun surtout, le déterminant s'accorde avec le nom qu'il détermine. Le nom soit au singulier ou au pluriel. Le déterminant accompagne le nom pour indiquer s'il est au singulier ou au pluriel. Voilà. C'est tout pour le moment. Merci beaucoup pour votre attention. N'oubliez pas de faire un effort et je suis là pour vous aider. Alors on vient de terminer les exercices et les activités de page 30, 31, oui, du cahier de, oui, le cahier d'activité. Vous pouvez avoir plus d'informations sur votre manuel, page 52, c'est votre livre. L'arbre au mot, votre livre préféré, l'arbre au mot, pas seconde. Merci et à la prochaine vidéo.